Eh bien bonjour à tous, c'est Andy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 Online. Et oui, je vais vous montrer un moyen presque infini de gagner de l'argent. C'est un glitch que j'avais déjà présenté sur ma chaîne, mais je l'avais très mal fait. Un coup ça marchait, un coup ça marchait pas, c'était très chiant. Alors du coup j'ai décidé de vous le refaire. Bon, excusez-moi, je suis malade, alors j'ai les nez complètement bouchés, alors je parle un peu mal, voilà. Et je pense que cette vidéo va sortir lundi matin. Donc là, on est actuellement dimanche soir à 18h36 exactement. Et j'ai des erreurs de connexion, alors je vais le faire pendant la nuit. Je pense que ça atterrira vers 10h30 du matin lundi, quelque chose comme ça. Voilà. Alors pour ce glitch, attendez deux secondes. Déjà, pour si ça intéresse quelqu'un, je me suis acheté un entrepôt de véhicules. Voilà. C'est trop bien ça. Alors, revenons au glitch. Pour ce glitch, il faudra vous rendre entre 10h, enfin 11h, pardon, et 5h du matin ici. Donc vous vous repérez, il y a une petite route ici là. Vous venez ici. Et en fait, il va falloir faire un petit tour comme ça là. Hop, hop, hop. Et ici, il y aura une voiture soit jaune d'une valeur de 14 000 $, soit une voiture bleue de 17 000 $. Et toutes les nuits, vous pouvez le faire à l'infini. Donc vous, genre, vous vendez une voiture, vous retournez à cet endroit, vous allez mettre la voiture dans votre garage. Vous revenez à cet endroit, vous allez mettre la voiture dans votre garage, etc. Donc on se met exactement là où je suis. Donc vous vous repérez par la petite route qui est là. Vous avancez tout doucement et vous partez à gauche. Mince, c'est... Ah si, ça va. Si ça marche pas là, c'est normal, c'est que c'est pas l'heure. Ah. Ensuite, une fois arrivé au stop là, vous tournez encore à gauche. Là où il y a la Mini Cooper. On roule toujours tout doucement. Hein. Ensuite, vous mettez proche du poteau là et vous vous arrêtez. Voilà. Et ensuite on remonte. Je tiens à préciser que c'est un de mes amis qui m'a présenté ce glitch, donc je le remercie, hein. Allez voir sa chaîne, c'est l'Ours Gamer je crois. Et arrivé au feu rouge, voilà, une voiture jaune. Alors c'est la voiture à 14 000 $. Alors vous descendez votre voiture, vous prenez cette voiture, voilà. Et il y a un garage, un Los Santos Custom, là pas très loin. Donc vous y allez, hein, tout simplement. On descend, elle est pas très rapide cette voiture. C'est une BM dans la vraie vie je crois. BMW. On dit bonjour au policier. C'est le commissariat ici. On se tape un petit drift. Très mal réussi d'ailleurs. On va au Los Santos Custom. Voilà. Je sais pas qui est Simon mon message, c'est bizarre. Vous allez dans le Los Santos Custom là. Ubermaster Sentinel XS avec l'accent allemand, ça passe bien. Et ensuite vous allez donc dans vendre, si, voilà là, et 14 970 $, et vous la vendez, voilà. Ensuite, vu que ça dure toute une nuit, ben vous y retournez le plus rapidement possible. Ah d'accord, j'ai 8 000 $ sous ma tête, hein, parce que j'ai déjà une prime de 5 000 $ d'hier, donc le samedi. Et là j'ai une prime de 3 000 $ en plus parce que j'ai volé la voiture. Génial. Donc, ensuite vous courez un peu le plus rapidement possible que vous pouvez. Et vous essayez de voler une voiture, faut retourner le plus vite possible à cet endroit. Bah tiens, toi tu me... T'inquiète pas, je te la rends tout à l'heure ta voiture. Merci madame. Mais en fait je la rendrai pas pétasse. Allez adieu. C'est quoi cette musique qu'elle nous a mis? Ensuite on retourne au même endroit que tout à l'heure. Donc pour ceux... qui veulent savoir, c'est ici, voilà. Bonjour. Elle voulait me prendre en photo, elle a cru quoi? Les droits d'auteur, pétasse. Voilà. Donc moi de préférence, je vais reprendre ma voiture. Voilà. Et j'espère pouvoir vous montrer la voiture bleue à une valeur de 17 000 $. Bon là vous voyez, vous avez jusqu'à 5h du matin, c'est que minuit, vous voyez, je me suis déjà fait 14 000 $. Ah oui, ça bouchonne un peu effectivement. À minuit dans Los Santos, c'est l'heure de pointe. Alors pareil, donc on se met à la petite route là, on descend tout doucement. Là j'accélère même pas. Bon, là j'accélère. Voilà, j'adore le bruit de la courbe, hein, c'est... Ouais, elle est trop bien. Ensuite donc au stop, on tourne à gauche. Ensuite, on va au poteau, on s'arrête une ou deux secondes. Et on remonte. Qu'est-ce qu'il fait lui? Oh.
Et normalement, au feu rouge. Ah, j'ai pas de chance. Encore la voiture jaune. Voilà, et vous faites ça pendant toute la nuit jusqu'à 5h du matin. Bon, là par contre, je peux pas la revendre la voiture. Je peux pas la vendre, donc j'allais la mettre à mon garage. Mais je vous assure, les gens. Enfin, ça fait un petit moment que ce glitch existe. Alors, je sais pas si elle y est encore. Mais il y a une voiture bleue, donc c'est exactement la même voiture. Sauf qu'elle est bleue, elle a un autre aileron. Mais c'est une voiture bleue d'une valeur de 17 000 $, je vous l'assure. Voilà, donc moi j'ai pas de chance, j'ai que la voiture jaune. Mais vous savez quoi, je vais refaire un petit tour pour voir. J'aimerais bien la trouver, la voiture bleue, pour vous montrer. Je pense que ça marchera pas là, du coup, vu que j'ai la voiture du glitch sur moi. Bon, si jamais. Mais je vous assure, franchement, qu'il y a une voiture bleue d'une valeur de 17 000 $. Il y a des arceaux de sécurité même. Donc on monte, merde, il y a ma voiture qui bloque là-haut. Ah non, c'est bon, elle bloque pas. Il y aurait pas une voiture bleue? Non, 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 non. Moi je pense que je pourrais toujours pas vous montrer la voiture bleue. Attendez, j'allais faire un petit tour, je vais revenir. J'aimerais bien vous montrer quand même, hein. C'est une manière infinie d'avoir de l'argent, mais 15 000 $, c'est pas assez, hein. Enfin si, en vrai, 15 000 $, c'est super bien. Surtout en aussi peu de temps, quoi. C'est quelle heure? 1h du matin, ok. C'est pas 1h du matin dans la vraie vie, hein, je vous rassure. Hein. Là, c'est 6h59. Non, moins, je sais pas. J'ai pas envie de regarder. Ensuite, on dé... Merde, je l'ai dit. Tant pis. On descend. On dit bonjour, monsieur. Ici, on tourne. Je vais aller sur l'autre fil. Hop. Ensuite, on va au poteau, on s'arrête. Le mec, damn. Et on remonte. Ah, il y a un nouveau mode rivalité. Je m'en fous un peu, c'est pas grave. On remonte. Je crois que c'est ma voiture qui gêne, en fait. Attendez, j'enlève ma voiture. Oula, il y a un strike à faire, là. De Dieu. Je vais reprendre ma voiture. Et je vais le refaire. C'est peut-être ma voiture qui bloque, tout simplement. Non, quand on connaît la musique, ici, on tourne à gauche. Pardon, mesdames et messieurs. Hop. Voilà. On descend. Excusez-moi, il y a le téléphone qui sonne. Ensuite, on tourne à gauche. Je sais pas si on entend le téléphone qui sonne. On se met ici. C'est le fixe, hein, qui sonne, c'est pas mon portable. Et on remonte. Voilà. Et en espérant qu'il y ait... Oh, il n'y a rien du tout. Bon, il me semble que c'est parce que je suis pas allé vendre la voiture jaune. Bon. Ah, là, là, c'est pénible. Bon, en tout cas, les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, comme toutes les vidéos, si ça vous a plu, abonnez-vous parce que j'en ai besoin. Likez parce que je sais que j'en ai besoin. Et franchement, partagez à vos amis parce que j'en ai besoin également. Je suis passé de 20 abonnés à 46 abonnés, c'est pas pour rien. C'est franchement que les gens aiment bien. Bon, après, j'ai fait un peu de la pub, mais c'est normal. Mais franchement, ça pourrait être bien. Et aussi, je tenais à m'excuser pour la dernière vidéo. J'avais dit que je ferais une vidéo sur ma chaîne Ifi, donc je l'ai faite. Mais j'ai eu un problème de droit d'auteur. Et oui. J'avais pas pensé à ça. Voilà, et j'ai toujours pas de chance, y'a toujours pas de voiture bleue, ni de voiture jaune. Bon, tant pis. Croyez-moi, à coup sûr, déjà, il y a une voiture bleue. Voilà. Et ben, en tout cas, je vous dis à plus, c'était Andy, bye bye.